Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2h de surprise déjantée. De Wiki Malik. Alors Malik, toi tu as bossé sur le parcours de Karima. J'ai bossé sur le parcours de Karima. Je crois que t'as plein de choses à lui dire. Bah, j'ai épié sa biographie. Jingle et... by. Mon petit jingle, il est dégueulasse. Vas-y. Alors Karima, j'ai dérivé un peu ta biographie. Ok. Je pense que tu le remarqueras toute seule. Ok. Alors, 18 juin 1985, 5h42 du matin, le soleil se lève. Non, je ne parle pas du soleil qui éclaire notre planète, mais bel et bien du soleil qui éclaire le monde de la musique française, Karima Charny. Depuis sa tendre enfance, elle se passionne pour la chanson. À l'âge de 3 jours, elle organise son premier concert à la maternité. Un concert de plus de 6 heures de chant intensif. Oui, Karima chantait la vie. Ses larmes coulaient à travers des cris de joie. Dans une interview faite dans le célèbre journal pour fœtus, Maternité Magazine, elle annonce qu'elle a pris le risque de chanter pendant 6 heures car elle avait faim. Oui, Karima avait faim de la vie. Elle voulait croquer la vie à plein dents, mais difficile quand on n'a pas de dents de croquer quoi que ce soit. 19 ans de sa vie passent. Il fait des conclusions philosophiques. Elle s'inscrit à la Star Academy. Elle y passe quelques semaines après s'être fait éliminer pour avoir interprété sa première chanson qu'elle avait chantée à la maternité. Par la suite, elle entame une tournée internationale dans toutes les chichas de Marrakech, Alger, en passant par Barbès et la Courneuve. Cette expérience lui permet de comprendre qu'elle préfère commenter que chanter dans des chichas. Elle devient alors journaliste musicale pour M6. La jeune femme anime ainsi les concerts diffusés par M6 et W9, tout en interviewant de nombreuses célébrités de la chanson, telles que Claude François, Jacques Brel ou encore le célèbre Monsieur Tombola. Paix à son âme. En parallèle, En parallèle, Karima présente sa propre émission sur Fun Radio, une radio locale parisienne concurrente de Radio VL. Mais ne t'en fais pas, tu peux quand même rester ici. Si la brune au tempérament de feu parle peu de sa vie privée, elle revendique son caractère de battante qui franchit les épreuves avec courage pour atteindre ses objectifs. Elle part donc en 2014 pour Alep en Syrie, où elle anime une télé-réalité nommée Les Princes du Djihad sur NRJ 13, une chaîne locale. Ce programme est coproduit par la célèbre agence Daesh Productions. Suite à ce tournage, elle se rend compte que l'animation de télé-réalité en terre hostile n'était pas faite pour elle. Elle annonce donc dans Jihad Magazine: ce métier dans la télé-réalité islamiste n'est pas fait pour moi. C'est pour cela que j'arrête de me voiler la face. Je sentais que je fonçais droit dans le mur. Il faut désormais que j'avance. Malgré tout ça, elle ne regrette aucune étape de sa carrière et espère encore découvrir de nouveaux horizons. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Karima, plus qu'une chanteuse, une femme amoureuse de la vie. Bravo! Elle est chaude. Elle est chaude. Enfin, vite du studio, mon père, il va pas. Évidemment, il y a rien de vrai là-dedans. Un petit peu. C'est légèrement romancé. On peut l'applaudir, Malik, s'il vous plaît. Hashtag Rico Show.